Pense à comprendre Christ comme sauveur, Seigneur. Non. Dans 1 Corinthiens 15, dans verset 50 à 57, mais ça l'a bien dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, on sera chargé en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça complétera la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Au mort, le péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, en homme et ensemble. Père éternel, vous-même qui mène la vie, ou bien la vie l'ouvre et au point l'ouvre parce que vous souverain ou bien contrôle sur toutes choses. Nous réunissons le matin à l'occasion funéraire selon petit tout qui partit avant nous. Seigneur, on connaît que petit, l'autre membre de la famille a pleuré. Parce que petit moi, ce Elena qui était en vie dans la vie, que seul nous-mêmes capables de combler. Au nom de Jésus-Christ, combler vite ça. Fait que ça, nous qui connaissons Christ comme sauveur Seigneur, quand tu veux vous voir, il y a pas encore. Et ça, pour connaître Christ comme sauveur Seigneur, quand tu engagé ce matin même, pour connaître Christ, pour connaître encore. Seigneur, servis avec servissant pour réconforter, consoler les cœurs et pour capable sauver. Merci Seigneur, tu as sorti, servissant moi-même. Au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. En nous commençant, nous avons chanté 181 en français. En nous commençant, 181 en français. Quel repos céleste en Jésus d'être à toi pour la première vie, do majeur. En nous chanter à la gloire de Dieu. Merci, ça.
et surtout de l'exemple toujours imité par ses six enfants dans leur nom. Ismaël Fradin, Edna Fradin, Sainte-Hélène Fradin, Marie Fradin, Son Fradin et Dieu Grâce Fradin. Ces deux derniers dont je viens de citer leur nom sont passés à l'Orient éternel. Jamais égal. Le sien, la manière dont elle a su mener de fond sa vie familiale, ses activités sociales, ses engagements ecclésiatiques, dans une inépuisable amour pour les autres. Alors, à ta tour, souviens-toi, Grammy, aujourd'hui, ce n'est pas cela que je parlerai. Il fait 10 ans d'attente. Je suis au début de 2 ans, 10 ans. Tout le temps, ça m'a donné une barrière. Il m'a. Pas pour le contact. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Parce que je suis changé. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Tout le monde est là pour le pays. Quand je suis passé là, je suis dit que je ne pouvais. Je sais pas, il décide de revenir de l'école. Je me dis, c'est pas vrai. Je m'a arrêté. Si de la vie de tous les jours, là, il vient prendre les petites cuisines. J'ai crié la gloire. Il toujours a dit qu'on a un délai de 5-6 ans, il l'a fait. Il dit, il a dit, il était déjà là. Je m'a dit, il m'a dit, c'est vrai, il était déjà là. Parce que c'était déjà 5-6 ans. J'ai changé dernier bagaille en fait pour moi, j'ai 3 ans. Je passe ensemble avec mon mari. J'ai changé. Il est dans 85 ans jusqu'à ce qu'il t'a aidé. Il t'a aidé dans la vie. Il t'a aidé par un petit monde. J'ai changé. Je dis à mon mari, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Les amis, je ne sais pas. Maman. Maman,
Mais
un fait certain, c'est que tu vas consoler le Seigneur. Merci parce que tu as fait ça pour nous. Parce que nous prions Jésus-Christ au cœur de l'Église pour cette siècle. Amen. À nos campés, dans la feuille de programme, il y a un chant 252 en français. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Sol majeur, à nos campés, on va chanter deux couplets là-dedans, avant même que nous dévenissons dans la culture. Je ne sais pas le jour. Dans sa sainte lumière, la lumière vainque la maison à ses heures. Mais je sais que joignant ma voix aux inconnus, bientôt je t'aurai. Amen. Pasteur Saint-Ange Monestime, c'est pasteur titulaire de l'église baptiste de l'espoir du Cavalier. C'est même qui doit ouvrir la Bible, la parole de Dieu, pour adresser d'abord aux membres de la famille et ensuite à toute l'assemblée des voix et nous, les mots de Dieu. Pasteur Saint-Ange. Son montant peu robuste. Et ensuite, il défend Christ comme sauveur Seigneur. Il vit en pile temps sur cette terre, il pourra passer éternité avec mon Dieu et ses frères humains. Son vie complète. La prédité dans le funérail d'un monde qui est vie complète comme ça, non seulement qu'à célébrer la vie de ce qu'elle a, aucun regret. Mon senti vide là, il pas là, mais aucun regret. Et c'est avec elle, vous pouvez méditer dans Hébreux 9, verset 27, pour parler avec nous tous. Dans Hébreux 9, 27, vous remarquez, ça dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et sinon, verset plus clair, il y a une réservation qui fait, réservation ça, c'est que tout le monde doit mourir. Après la mort, il y a un jugement. Et ça, c'est pour les méditations, les hommes et la mort physique. Les hommes et la mort physique. La mort physique qui s'allait, c'est séparation temporaire de l'esprit ou de l'âme d'avec le corps. C'est-à-dire que l'esprit ou bien l'âme qui décore immédiatement, physiquement, pour mourir. Et la Bible prend temps pour dire ça, la mort physique. Et qui ça, la Bible dit sur la mort physique? Il m'a dit que la mort physique est une promesse de Dieu. Bon, Dieu promet que nous allons mourir. Il est réuni un mois en plus. Il n'y a pas réuni une minute en plus. Dieu a fixé terme, nombre d'années, nombre de mois, nombre de minutes dans cette terre. On met bien tout spécialiste autour de vous-même. Elle est pour partir pour l'éternité, on partit. Et la vie continue à dire que la mort physique est le lot de tous les hommes. Dans l'Ecclésiaste, verset 8, il dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le revenir et qu'il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, quel que soit mon âme.
Il pourra mourir la mort physique frappe tous les hommes, bons et méchants, riches et pauvres, éduqués et non éduqués, blancs et noirs, enfants, jeunes ou adultes, chrétiens et non chrétiens. C'est vrai que la mort physique frappe tout le monde, non? Mais la mort physique, il n'a pas le même impact sur tous les hommes. Tous les hommes en Jésus-Christ. Et tout le monde qui est converti, si Christ avait cherché les questions, de quoi mourir. Comment ça a dit de ça? Ma résumée en deux bagailles. D'abord, noter description biblique de la mort du croyant en Christ. Jean l'a décrit la mort croyant. Il montrait une grande différence entre les non-croyants mourir avec les monde qui parlent en Christ mourir. En tout cas, le samedi de la mort du croyant, il présentait la mort du croyant comme du sommeil. Son monde qui a dormi. Et quand nous disons sommeil, nous parlons du sommeil du corps, non de l'âme. L'âme, non, mon âme, l'esprit n'a pas jamais dormi. Qui mon âme converti, qui t'a converti, même si le corps a mouru, mais l'esprit n'a pas jamais mouru. Non, non, jamais mouru. Allez, pour le croyant, les mourir, quand vous êtes dormi, il y a dormi, et que la Bible présente comme ça, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, 14, il dit que nous-mêmes n'avons pas dormi. Ensuite, présenter la mort du croyant comme une bénédiction. Vous avez étonné pour que Jean pleurait, les gens mourir, il a dit que son bénédiction. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, chapitre 14, dans verset 13, il dit qu'on a heureux les morts. Vous avez pensé que vous avez dit béni les morts. Ah oui, les morts qui meurent dans le Seigneur. La présenter la mort du croyant comme un gain. C'est-à-dire que les croyants mourir, ils n'ont pas perdu absolument rien. Et pour leur parler, il dit comme ça que quand Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire que les croyants mourir, c'est vrai que nous qui vivons, nous pleurer, nous tristes. Mais les croyants lui-même, ils n'ont pas perdu absolument rien. Et Paul va dire comme ça que. Consacré même pour nous trouver dans la présence de Christ. Nous avons sorti dans le temps de ça. Et puis Paul va dire que la mort, pour le croyant, son départ. Elle dit que beaucoup de gens sont capables de partir. Par exemple, les gens qui ont voyagé, ils ont arrangé le voyage, et ils ont attendu leur partie. Mais il y a des gens qui sont partis, qui vont dire que son œil est grave, que l'aide qu'on a côté de voilé, ça le doit faire. Eh bien, pour le croyant, son départ. Paul dit que je suis pressé de deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, de partir. Et avec les croyants mourir, son célébration, les premiers croyants, ils ont fait une grosse célébration, les gens partis avant. Parce qu'il connaît qu'il n'a pas souffri encore, il n'a pas malade encore, il n'a pas bien problème encore, il pourra le trouver dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que d'appeler en histoire, M. Vélé, Joseph Flax, son chrétien juif des vrais, j'ai préparé un témoignage de triomphe qu'il est capable de poster à tous les millions. Après la mort, okay? Le fait que les filles mourir, pas qu'à faire rien encore, avec avant de mourir, avec écrit un bagage, un témoignage. Et tout bagage était bien écrit, et c'était date où j'ai mouru, qui fait dans le témoignage. J'ai d'abord mouru le 14 août 1940, mais ça j'ai écrit, m'a cité. Moi j'ai écrit ça pour annoncer, moi j'ai quitté les maisons terrestres à Nicoa. M'arriver dans la gloire immédiatement en ma protection d'un groupe d'anges. Absent du corps, présent avec Christ. Ma prophétie, je dis qu'on a que moi trouvé comme prédit, comme annoncé dans la présence de Christ en pile joie, en pile plaisir et cela pour toujours. Et j'ai fini de dire que ma vache à chien ou même qui convertit, je m'enlève. Pour nous capables de passer tout ton nom avec Jésus-Christ. J'ai fini comme ça, dit que quel effet en moi. Ça, c'est extraordinaire. On est capable de mourir, puis écrit ça, son homme qui a une certitude, son homme qui connaît que, après la mort, tout va être fini. Deuxième baguette en bas, la mort du croyant, c'est conséquence de la mort du croyant. Les croyants mourir, qui
qui conséquence pour Capel là-dedans. C'est vrai que la mort physique est en croyant, et qui est tristesse, et qui est envie temporaire dans le cœur de ses amis, pas l'agneau, mais le croyant qui meurt, il se dit consolé, réconforté, il y a un second après le fait mourir. Pour quelle raison? Pour qui ça, le croyant qui mourit, il se dit consolé, il y a un second après le fait mourir. Pour quelle raison? Un, parce que la mort croyant, il conduit l'homme à un doux repos. Mon croyant, les croyants mourir, les aller connaît le repos. Ah ben, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. On va regarder pour que les croyants mourir, les conduit l'homme dans un doux repos. Dans Apocalypse 14, verset 13, il avait dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Remarquez ça, heureux les morts qui. Oh, et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Est-ce que le monde qui convertit, les mourir, ne pas reposer. Ah ben, c'est normal donc, que le croyant, en seconde après la mort, il pourra connaître le repos. Ensuite, les croyants qui mourent, ils pourront connaître la consolation de Dieu. Ils pourront connaître la consolation de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, dans l'histoire, il t'a parlé dans Luc chapitre 16, quand il t'a parlé, il y a un riche qui mourit, et puis il y a un pauvre, Lazare mourit. Il m'a demandé que l'homme riche pour perdre, l'homme pauvre pour sauver. Il m'a ça demandé. Il montrait que, on va pouvoir célébrer sur la terre, on va perdre pour l'éternité. On va souffrir sur la terre, on va sauver pour l'éternité. Eh bien, les Lazare mourir dans Luc 16, verset 25, comment est-ce que ça m'a dit? Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Les croyants mourir, ils peuvent connaître la consolation. Pour qu'ils soient croyants, ils ont seconde après la mort, les réconforter, les consoler, les toi, parce que la mort du croyant, il conduit l'homme dans la présence de Christ. Les non croyants mourir, nommez-les, l'esprit aller immédiatement dans le paradis. Côté Jésus-Christ, et ça fait que Paul dit pour ça que moi, je ne vais pas attendre pour me quitter ça, pour me joindre le Seigneur Jésus. Christ dit le brillant sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aucun problème de raison. Les premiers croyants ont célébré les croyants mourir parce qu'ils connaissent que pendant ça, ils vont reposer. Niveau 2, parce qu'ils connaissent que pendant ça, ils vont consoler. Niveau 3, parce qu'ils connaissent que pendant ça, ils vont trouver là dans la présence de Christ. Et puis, quatrième raison qui fait que les croyants allaient mourir et consoler, c'est parce que la mort croyant après le conduit ayant résurrection joyeuse. Daniel, dans l'Ancien Testament, il a écrit, ou t'a étonné, pour qu'après que Daniel a parlé de monde qui mourit dans Daniel chapitre 12, dans verset 2, il voit que tout le monde va le lever net. Tout le monde va le lever. Mais tout le monde n'a pas qu'il y a même résurrection. Dans Daniel 12, verset 2, il dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Eh bien, si tout le monde, ce Elena, tu connais Christ comme sauveur Seigneur, c'est vrai, non, lui, trouver avec Christ immédiatement après vivre. Mais un jour, Christ a mal retourné avec lui sur la terre, puis qu'après, comme lui, il avait participé à une réflexion joyeuse. Et c'est ça qui fait que nous, les croyants, nous mourir, nous célébrer. Nous célébrer parce que nous n'avons pas perdu absolument rien. Mais est-ce que c'est conseillé pour les non-croyants? Notre deuxième bagarre, la mort du non-croyant en Jésus-Christ.
y a un monde qui n'est pas cru dans Christ. Il y a un monde qui n'est pas accepté Christ comme sauveur Seigneur. Il y a un monde qui n'est pas sauvé et pas mourir même dans la terre, croyant. Ouais, c'est une grosse différence. Mais comment faire comme ça? La Bible dit, et notez là encore deux bagages. Notez qui ça veut dire la description biblique de la mort physique du non-croyant. Qui ça veut dire sur les non-croyants mourir? Un, il dit, les gens qui ne sont pas convertis mourir, les mourir dans le péché là. Les mourir dans le péché là. Ça veut dire que vous regardez pour que. Alors, ça veut dire mourir dans le péché. Nous tous faisons péché. Et si nous sommes convertis, péché nous est sous nos noms. Si nous sommes convertis, péché nous est Christ pour tout net et pardonner nous. Mais les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui mourent dans le péché, Jésus qui a parlé dans Jean 8, dans verset 21, remarquez, ça dit, il dit consacré clairement en croyant qui mourit, vous mourrez dans vos péchés. Ou mourir dans le péché au même qui pas quoi dans Christ. Et puis deux, une mort sans espérance. Si on va convertir l'homme ou mourir sans espérance, ça veut dire que vous ne pouvez même connaître. Ça va arriver avec vous. Aucune espérance de la vie éternelle, aucune espérance du ciel, aucune espérance de la nouvelle terre. Sans espérance. Et puis toi, il m'a dit que les gens n'ont pas converti. Généralement, la mort manque par la terreur. Elle dit que les mourir, il a fait gros bruit. Les mourir, il a fait un pile grimace. Parce qu'il connaît que il n'y a pas plus comme son Seigneur. D'appeler Holler et les Voltaire, ce grand philosophe français. Les péchés à mourir. Et puis l'infirmière dit comme ça qu'il est dans la chambre. Il dit il va jamais assister la mort au monde qui a mouru dans le Voltaire. Voltaire tellement fait bruit et tellement fait mouvement. De comme je suis il dit que je ne vais pas assister. Il est en le monde qui a mouru. Et cependant, les convertis à mourir, infirmière pour dire comme ça que donc c'est dormi à dormir. Donc on dit, ma dormi qu'on y a, n'a pas de même. Il connaît en douceur. Parce que pour raison, il y a espérance, il connaît que la mort pas finir toute bagaille. Si la mort croyant, son bénédiction, la mort qui va convertir, son malédiction. Si la mort croyant, son gain, la mort qui va convertir, son perte. Docteur Walter Wilson, j'ai parlé avec un athée, monde qui dit que bon Dieu pas existé, il dit au banan fait bon Dieu, au banan fait Jésus-Christ, rien. J'ai parlé avec athée est-il comme ça? Moi, je crois que la mort a fini tout bagarre. Docteur Wilson, qui ont converti, il dit moi, je crois ça tout. La mort a fini tout bagarre. Docteur Wilson dit, mais tout bagaille n'est pas même genre pour moi avec vous. Et Arthur dit, ils sont petits là, la mort fait tout bagaille. Pour qui c'est différent? Wilson a parlé, il dit, ma cité, pour vous-même qui va croire dans Christ, la mort a fini avec toute chance qu'on gagne pour faire méchanceté. La mort a fini avec toute joie. La mort a fini avec tout projet. La mort a fini avec toute habitude, toute ambition. La mort a fini avec toute bagaille pour vous-même. Et au quoi dans l'enfer éternel. Il dit, mais pour moi, l'homme dit la mort a fini avec toute bagaille est différent. Mais pour moi-même qui connais Christ, et pour tout le monde qui connaît Christ, la mort a fini avec toute pleurs, toute larmes, toute douleur, toute déception, toute peine, toute chagrin, et moi passer l'éternité avec Christ. C'est vrai, là on a toute bagaille, mais toute bagaille passe une même bagaille pour nous chaque. Là on finit avec toute bagaille qui est négative pour moi avec vous qui convertis. Deuxième bagaille, ah bah ça, parce que il est réservé pour les hommes de mourir une seule fois. On va dire la mort du croyant,
nous avons une description de la mort croyant, nous avons des conséquences de la mort du croyant, et nous avons la mort du non-croyant, nous avons des salades sous les mêmes, nous avons des conséquences malheureuses de la mort du non-croyant en Christ. Les gens ne sont pas convertis, les gens mourir, ça s'appelait dit. M'encadé, comment, et quelqu'un, madame, a pleuré pour ce Elena, parce que qu'on connaît que tout le monde a mal pour lui. Mais non, il était tellement une bonne femme, une bonne mère, son bon grand-père, aussi, tout le monde aimait. Il y a songé. Mais ça, on est converti, il n'y a pas crié, même ça, on va convertir, non? Parce qu'on connaît, il y a un jour à pour elle encore. Mais pour le non-croyant, c'est pas bagarre. Si la mort du converti conduit à un doux repos, si la mort du converti conduit à une consolation divine, si la mort du converti conduit à la présence de Christ, si la mort du converti conduit à une résurrection joyeuse, la mort des inconvertis, il conduit à bagarre qui triste. Et qui fait que les pasteurs, ou pas parler de ça, on doit sourire. Un, les mondes n'ont pas converti, ils vont connaître une résurrection de monde, une résurrection malheureuse. Ils savaient que Daniel dit dans Daniel chapitre 12, dans le verset 2, autour de là-dedans, dans Daniel chapitre, il dit que plusieurs de ceux qui dorment, dit qu'ils vont mourir dans la poussière de la terre, se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Vous marquez ça, ah, c'est pour les croyants. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et là, il dit ça, il m'a dit, à dépendre de mon nom, au cap d'un pile éducation, au cap d'un pile bien, au cap n'importe couleur, où il est, et au pas connaître Christ comme sauveur Seigneur, tout le monde est pour lever, pour pouvoir connaître la honte éternelle. Quelle honte! On est pour l'amour dans l'enfer éternel. Et vraiment triste. Ensuite, la mort du non-croyant les conduit au tourment du séjour des morts. Les ou pas convertis, dès tout à l'heure, ils ont mis une minute, une seconde à profiter, mourir, quoi, dans ton beau, mais maintenant, et l'esprit a trouvé avec Christ. Mais pour ne pas convertir, non plus, mais l'esprit là, a dans le séjour des morts. Si ça fait Christ, mais pas pour là, l'homme riche là, il trouve immédiatement dans le séjour des morts. Et quelqu'un dit comme ça que bon, dès que vous finissez d'aller dans le tombeau, oubliez tout le bagage. Non, 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 non. Au bac de l'air, l'homme riche là, il y a un. Abraham, l'homme riche là, il y a un Lazare. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Cerveau continue à fonctionner, yeux continue à voir, oreilles continue à entendre, et puis sentiments, émotions, monsieur dit comme ça que m'a souffré cruellement. Mais comment tout le monde est fini si que m'a souffré cruellement après la mort? C'est parce que les hommes ne sont pas convertis, ils ont une minute, ils ont une seconde après le février. N'emmenez pas l'esprit là, aller dans ces jours de mort. Et pour commencer à souffrir, les affaires que le fait que tout le monde, à tout le monde qui va convertir, ou qu'à lire l'histoire, on va être grand des hommes que la société a réglé comme de grands hommes, de pouvoir pleurer. Ma cité, il y en a deux ou trois dans Voltaire. Le fameux infidèle qui dépassait toute la ville à combattre le christianisme. Les bouchers pour mourir, bouchers crier à haute voix. Mais c'est que je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je suis perdu, j'irai en enfer. Voltaire qui est à combattre, bon Dieu, combattre le christianisme. L'aide pour mourir, il sentit tout le monde, celui de moi, abandonné. Mirabeau, le grand homme d'État français, j'ai dit, l'aide doit mourir, donne-moi plus de l'odanome, c'est-à-dire qu'il y a un médicament pour qu'affaiblir, donne-moi plus de l'odanome, afin de ne pas penser à l'éternel,
afin de faire penser à l'éternité, ô éternel, ô Christ, ô Jésus-Christ. Monsieur Tap, il est rouge de curse, mais là il va mourir. Et ouais, l'enfer devant. Charles IX, le roi de France, j'ai écrit les mémoires, quel sang, quel meurtre, quel concile de mal, j'ai suivi, je suis perdu, je le vois bien. Je vais citer un paquet. On finit avec ça, Sir Thomas Scott, le chancelier d'Angleterre. Michelin, je vois comment ça dit, jusqu'à ce moment, je pensais que pas que ni bon Dieu, ni l'enfer, mais qu'on y a, moi connais et vous senti que tout l'être existait, moi condamné à l'enfer par le juste jugement du Tout-Puissant. Les terribles pour mon mourir sans Christ. Vraiment terrible. Et de toi, les en croyant, les on ne pas convertir mourir, ils vont conduire au jugement du grand trône blanc. Pas bon jugement pour les que tous les inconvertis de toute génération vont apparaître dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Et pas chapitre 1, chapitre 20, verset 11 à 15. On va voir que l'apôtre Jean a écrit, a dit que moi, ouais, il y a un grand trône. Et puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, remarquez ça. Vous voyez, on dit toute bagarre venir à la mort. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Continuez, il dit que et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il dit que et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et puis il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On va dire, mais comment pour nous faire écrit dans le livre de vie? L'on repentit des péchés, l'on croit dans Christ et dans Christ seul. Bon Dieu, sauvez-vous, il écrit le nom dans le livre de vie. Et bien, enfin, l'air qu'on ne va pas convertir, il y a des tourments éternels de l'enfer. Il y a passé toute éternité dans l'enfer. Non, après 20, verset 10, remarquez ça, j'en dis donc pour nous voir que ce n'est pas une information qui doit forger, mais ça va dire, il dit que et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'homme mourit sans Christ. Les perdus pour toute l'éternité. Ils pourront souffrir. Ils pourront tourmenter pour toute l'éternité. Oh, quelle différence qui gagne entre les gens qui convertissent qui mourent et les gens qui ne pas convertis qui mourent. Et si nous en place pour tout qui est là, nous avons Christ comme sauveur et Seigneur. Pour que les gens mourent, nous pourrons le consoler. Pour que l'homme mourir, boit avec Christ. Pour que l'homme mourir, boit passer éternité avec Christ. Et quelqu'un qui l'a, quelqu'un n'a pas dit, Sœur Elena, au revoir, pas dit au revoir. Ce moment qui convertit, qu'a dit au revoir. Au revoir, mais dit que nous pouvons le voir encore. Et seul moyen pour voir Sœur Elena encore, il faut voir Christ comme sauveur, Seigneur. Petit yo, petit petit yo, voisin yo, voisine yo, cousine yo, beau frère yo, frère yo, est-ce qu'on voulait ou est-ce qu'il est là encore? Pour en Christ comme sauveur et Seigneur. Qui m'a dit qu'il a même pour en Christ comme sauveur et Seigneur? Qui m'a dit mourir comme un croyant ce matin? Eh bien, pour capable de devenir un croyant en Jésus-Christ, vous connaissez? Faut capable de penser des choses.
Ensuite, faut qu'on en crée comme sauveur Seigneur, faut recevoir le nom dans la vie. Les noms gagnants et funérailles sont servis d'adoration. On va chanter. Si mon âme prend Christ comme sauveur Seigneur, l'éveil qu'a passé même qu'on y a. Parce que nous n'avons pas les pour capable, les pour mourir, pour passer l'éternité avec Christ. Nous n'avons pas les encore. Ce qui est dans ta main, encore. Le seul moyen pour voir Christ comme sauveur et Seigneur. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. À nous chanter, et puis sous ta main passée, passez pour Christ comme sauveur et Seigneur. On y a même. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à ton souverain. 290 à 37, on va chanter pour lui avec dernier couplet. Si vous avez une décision pour mettre Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, qui a passé, il y a un leader qui l'a capable de mettre la Bible en main. Vous savez comment on est capable de connaître Jésus-Christ. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens, au péché, il t'attend. Voici fidèle, tu résistes à ton souverain. Que Jésus-Christ sauve nous et Seigneur nous, que Saint-Esprit a capable de réconforter nous, capable d'instruire nous, capable de réconforter, capable de consoler famille qui est touchée par les parents, les soeurs
Elena. Ça qu'on connaît, faut qu'on en compte sur le Seigneur. Et ça qui connaît, faut capable de faire confort. Et un jour, nous tous qui connaissons, nous allons rencontrer avec vous, nous allons régner avec vous pour tout temps et pour tout temps. Amen. Merci à tous les amis. Que mon Dieu accompagne nous. Breathe.
Thank you.
Je vous approuve, mais vous voulez. Aïe, vous avez choix, vous avez mis pour vous. Thank you.
Chers membres de la famille endeuillée, les enfants, les petits-enfants, les proches parents, les amis, les alliés de notre très regrettée sœur, Madame Fradius Fradin, née Elena Charles. Question que j'aimerais vous poser en cet instant n'est autre. C'est quoi exactement la mort? Qui peut y résister face à ses caprices? À mon humble avis, je dirais que personne. Nous, aux côtés de nous, nous pouvons ainsi dire, pour vous autres, les membres de la famille, ressuscité d'entre les morts, qui le sang présent, qui n'est plus au tombeau, Jésus-Christ. Elle avait toujours le sens de la raison et la logique.
C'est vrai, il paraît me parler. Mais le sens de l'observation a été la chose la plus forte et la plus développée chez Mamo. Parce que Mamo gardait le deux machines là, quoi, dit, gardez deux gros choix là. Ça t'est marqué non plus. Elle dit, ça choix là, Mamo. Ouais, un choix blanc, un choix rouge. Elle dit, au galop en pile. Donc c'est pour me dire que son monde qui quitte en pile, on ne pas crier pour aller Mamo, on ne satisfait réjoui parce que nous avons un gros monde dans la famille. Et nous prenons pour nous, chaque qui là, est-ce que nous avons transcendé même Jacques Mamo pour nous gros monde dans le Mamo, et pour nous réunir tout le monde qui sortit un peu partout pour permettre à ce que la valeur capable de réunir dans nous chaque qui là et en retour pour nous capables de dire vraiment nous te suivre la démarche et le parcours de Mamo. Merci. L'Église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien partage encore une fois les douleurs des familles Charles, Fradet et tous les autres membres touchés par le départ de la sœur bien-aimée Elena Charles. Nous lisons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous ne soyons pas frères que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Dieu en Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te louons. Tu es éternellement Dieu et tu vis au siècle des siècles. Nous sommes devant toi comme des passagers, en dépit de nos difficultés, en dépit de nos souffrances, nous nous humilions devant ta sainte et bénie majesté, pardonne nos péchés. Merci également pour la grâce, les faveurs dont nous sommes l'objet et le bénéficiaire de la part de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en compagnie des familles Fradin et Charles pour pleurer avec elles, pour les consoler, les encourager de la mort de notre bien-aimée sœur Elena. Seigneur, sois avec les différents membres de famille, sois avec les membres de l'Église baptiste de l'espoir, les membres de l'Église évangélique d'Haïti, de Bonberger, de Saint-Philomène, sois avec chacun de nous. Seigneur, console, encourage, réconforte chacun de nous. Seigneur, le corps de sœur Elena va être bientôt. Maintenant, je vais préparer mon petit mon petit. Je dis à Wale, tu as ma maman, tu es arrivé, tu es allé, tu es content. Et ça te fait mal, tu es maman. Voilà, je veux dire, parole. Le moment est enfin venu. Nous allons faire descendre le corps dans la fosse où Madame Elena va passer son dernier sommeil en attendant le grand matin de l'éternité. Pendant que la fanfare, s'il vous plaît, la fanfare va nous exécuter son dernier numéro en signe de respect pour la dépouille mortelle de notre bien-aimée sœur. Nous demandons aux membres de la famille de bien vouloir se lever.
la fanfare. Il t'aime plaire, il t'aime.
Que nous jetions nos premiers brins de terre sur le corps lorsque nous avons proche
à nous dévancer pour l'éternité bienheureuse, ainsi pour nous montrer et rappeler que nous sommes tous tirés de la poussière du sol et tous un jour nous devons y retourner. Mais papa, papa, belle fleur. Parce que fleur, ça, papa, t'es bon fleur pendant que t'es vivant. Madame. T'es bon belle fleur pendant que t'es vivant. Charles et Elena. Je vais présenter fleur. T'es bon fleur pendant que t'es vivant. T'es bon fleur. T'es bon belle fleur. Non, demande à Dieu. Belle fleur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Parce que t'es vivant. De la famille qui aimerait faire ce geste. C'est bon, belle fleur qui te chien. Maman, tu es bonne, ma fleur, pas d'où tu es vivant, oui, papa. Ma chère d'église, non, papa. Tu es bonne, ma fleur, pas d'où tu es vivant, oui, pas une belle fleur, pas d'où vous y allez, vous êtes chère. Parce que vous êtes chère pour vous, maman. Vous êtes chère pour vous. Vous êtes chère pour vous. Mais pas une belle fleur qui vous êtes chère, parce que vous êtes chère pour vous. Yeah, man.